Mes chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce 100% un petit peu spécial, puisque moi, si sédentaire, habitué à mes habitudes d'être toujours en plateau, j'ai décidé, à mon tour, de venir chez vous. Parce que c'est vrai que, bon, Pili, c'est sympa, il s'invite chez vous, vous lui avez rien demandé. Enfin, vous avez envoyé la photo quand même, donc vous êtes un petit peu quand même coupable, si on veut, hein, mais pas responsable. Et donc, moi, à mon tour, j'ai décidé de vous apporter ma joie, ma bonhomie à domicile. Je ne viendrai pas avec des pizzas, mais je viens avec tout mon cœur, tout mon amour. Et ensemble, nous pourrons regarder, je ne sais pas, moi, la critique de Scraps. Nous pourrons regarder, non pas le temps perdu, puisqu'on n'est pas mardi, mais Oscillation. Et a priori, comme c'est moi qui fais le lundi, ça doit être le Debug Mode. Et on commencera tout de suite par les news en direct de chez Tyros. Tyros, dans l'intérieur, est, ma foi, relativement coquet. Hein, c'est bien agencé, c'est fait. Chouï, hein, c'est symétrique. Bon, là, l'écran qui est là, il est un petit. Ouais, il est à la même hauteur. Puis... Ça sentirait pas un peu le macaron? Hein? Ça sent bon le macaron? C'est pas aussi bon que le macaron, mais voilà les news. Hein. Pouf! Battlefield Bad Company 2, développé par DICE et édité par Electronic Arts, a fait son petit effet sur les joueurs en mars. Avec plus de 2,3 millions d'exemplaires écoulés selon EA, le FPS s'impose comme l'un des succès de ce début d'année. Electronic Arts avait clairement annoncé la couleur. EA Sports NBA Jam devait s'inspirer des premiers épisodes complètement délirants de la série. Cette première vidéo vient confirmer ces dires puisque le jeu semble très proche de ce à quoi on avait eu droit au début des années 90. Certes, NBA Jam version Wii a connu une réelle mise à jour graphique avec des joueurs mieux modélisés et des effets visuels bien plus spectaculaires, mais ce qui caractérisait la série est toujours présent. Dunk de folie, tir enflammé, contre ultra agressif, mais surtout commentaires emportés façon George Eddy déchaîné. Les fans devraient être comblés. Réponse en fin d'année. Et pour conclure ces news dans la joie et la bonne humeur, voici la dernière vidéo consacrée à Lego Harry Potter année 1 à 4, toujours prévue pour le mois de mai prochain sur toutes les plateformes.
J'ai donc profité de ces news superbes pour me déplacer et je suis à présent en direct de chez Orphée. Chez Orphée où je remarque qu'il y a quand même un superbe petit sapin. Ce qui me permet de faire le lien avec le plateau précédent où je sentais les macarons. Et maintenant je sens la forêt de résineux. Quoique on m'a soufflé dans mon oreillette que le sapin, ou la photo en tout cas datait de 2009. Peut-être des chances que le sapin il sente plus trop, hein. Et je remarque également quand même que Orphée n'a pas l'air très intéressé par ma prestation. Donc je vais de ce pas et par la magie de la télédiffusion me déplacer sur son écran pour lui faire un bouh. Attention, à 3, 1, 2, 3, bouh! Ok, Orphée n'a pas bougé, mais c'est pas grave puisqu'on va regarder la critique de Scrap Metal et ça, je pense que ça va réveiller. Slick Entertainment est un petit studio indépendant canadien spécialisé dans le développement de jeux orientés arcade. Leur premier titre est N+, une production XBLA mêlant ninja, plateforme 2D et puzzle, sorti fin 2008. Ils nous reviennent aujourd'hui avec un second jeu XBLA, Scrap Metal, cette fois-ci inspiré des grands classiques du top-down racing game, c'est-à-dire des jeux de course vus de dessus. On pense à Micro Machines bien sûr, ainsi qu'aux Supercars, Nitro et aux Overdrive de l'Amiga. Mais aussi à l'excellent Fun Tracks sorti sur PC en 97 ou encore au jeu PSN Pixel Junk Racers. Mais finalement, Scrap Metal se rapproche davantage du Supercars 2 de Magnetic Fields sorti en 91 sur Amiga et surtout de Death Rally, le premier jeu des futurs créateurs de Max Payne et Alan Wake sorti sur PC en 1996. Car Scrap Metal ne se limite pas à la course pure. Il est en effet possible de shooter ses adversaires, les voitures proposées étant équipées d'armes diverses permettant de réduire à l'état d'épave ses adversaires. Un jeu arcade old school donc, typique des productions indées accueillies par les XBLA, PSN et autres WiiWare, puisant souvent dans le grand vivier ludique des années 80-90. Bon, on a fait l'impasse sur la partie histoire, comme vous pouvez le constater. Ceci dit, le studio a tout de même fait l'effort de personnaliser un peu les challenges en mettant en scène divers personnages, pas franchement folichants, il faut bien l'avouer, qui vous lancent des défis visant la plupart du temps à récupérer leur véhicule. Scrap Metal permet en effet, comme dans un bon vieux Mech Commander, de récupérer les épaves des véhicules adverses pour peu que vous parveniez à les détruire sur le circuit. Ces épaves peuvent être ensuite récupérées à la casse, exactement comme dans Burnout Paradise, afin d'être déposées dans votre garage. 4 spots sont disponibles en tout. Avant chaque épreuve, vous pourrez ainsi choisir le plus adéquat de vos 4 engins. Ce garage, qui fait office de hub, permet de modifier le look de son véhicule, couleurs, motifs et accessoires, mais également de dépenser les points de mise à niveau empochés en finissant une course dans les 3 premiers. Il est ainsi possible d'améliorer sa caisse dans les catégories vitesse, contrôle, carrosserie et puissance. Les véhicules, comme les épreuves, sont scindés en classes. Et si une épreuve ouverte aux classes 1 à 3 par exemple peut néanmoins accueillir un véhicule de classe 4, il faudra alors faire une croix sur les médailles et les points de mise à niveau. Parlons-en des épreuves. Celles-ci ne se limitent pas aux courses à 8. Certaines missions vous demanderont de survivre aux assauts d'une tripotée de véhicules façon Blues Brothers, de protéger un camion rempli de nitro par exemple durant un certain laps de temps, de parvenir à écrabouiller un véhicule précis durant une course ou un duel, sans oublier les habituels modes élimination ou destruction derby. À l'image des véhicules proposés, l'éventail des missions est ainsi conséquent. Et si certaines d'entre elles interdisent l'utilisation de l'armement propre à chaque véhicule, lance-flammes, mitrailleuses, lance-grenades, tronçonneuses, pelleteuses, elles sont rares. Scrap Metal est en effet un jeu de course arcade orienté action. Comme nous le prouvent d'ailleurs les bonus dispersés sur la piste, nitro, auto-boost, bouclier, santé, dégâts augmentés et ainsi de suite. Et pour qu'un jeu d'arcade, de course qui plus est, soit de qualité, il faut que sa maniabilité ne souffre d'aucun reproche. 2 maniabilités sont proposées ici. La première, directionnelle, s'adresse au néophyte. Le stick sert à diriger le véhicule et à le faire accélérer. La seconde, conseillée aux habitués du genre, permet de diriger son véhicule comme une voiture télécommandée. Le stick gauche s'utilise alors pour faire tourner son véhicule dans la direction voulue, par petits à-coups, tandis que l'on freine et on accélère avec les gâchettes. Les véhicules possèdent tous des tenues de route, des grips différents. Il faudra donc apprendre à les connaître et à maîtriser l'art du dérapage pour négocier correctement les virages. La maniabilité n'a rien d'évident au départ, mais on s'y fait assez vite avec un peu de pratique. Il faudra cependant s'armer d'un minimum de patience, les véhicules se prenant clairement pour des petites savonnettes.
Et les chocs, nombreux, que ce soit avec le décor ou les adversaires, envoient souvent le joueur valdinguer dans tous les sens. D'autant que les circuits s'avèrent de plus en plus tortueux et recèlent de pièges divers. En solo, l'IA devient vite agressive et le challenge proposé par Scrap Metal est plutôt relevé, surtout face au boss. Mais l'une des grandes forces de Scrap Metal se situe bien sûr dans les modes multi. Ces derniers sont au nombre de 3, course, derby et roi de la colline. Ils permettent de jouer jusqu'à 4, que ce soit en ligne ou en split screen, ce qui est très appréciable. Mais on regrettera amèrement l'impossibilité de limiter le nombre de participants, les épreuves s'effectuant du coup toujours en présence de bots. Il faudra également que chaque joueur règle manuellement le système de contrôle souhaité en repassant par les menus, le directionnel étant sélectionné de base. Scrap Metal ne fera pas l'unanimité. Visuellement correct, sa direction artistique est malheureusement trop lisse, trop classique, pour réellement interpeller. Les contrôles peuvent également exaspérer, même si l'on s'amuse très vite avec un peu de pratique, d'autant qu'un bouton permet de replacer son véhicule dans le sens de la course lorsque ce dernier est envoyé dans le décor ou se retrouve coincé au milieu des carcasses fumantes de ses adversaires. Doté d'une durée de vie des plus correctes, il pêche néanmoins par quelques décisions étranges, comme celle consistant à limiter les emplacements du garage à 4 voitures, alors que l'on en débloque une vingtaine. Certaines armes présentent également un intérêt tout relatif. Mais au final, on se prend très vite au jeu, et la possibilité de jouer à 4 en split screen est un plus incontestable, pour peu que l'on joue sur une télé HD, dans le cas contraire, la visibilité est vraiment trop limitée. On regrettera simplement que le jeu soit vendu 1200 points Microsoft, il ne mérite au final pas plus de 800 points. Mais le plus simple, une nouvelle fois, consiste à télécharger la démo pour vous faire une idée. Après cette excellente critique, nous nous retrouvons à présent chez Bibang, où la disposition des lieux me permet de me poser quelques questions, car la position surélevée de ce téléviseur me fait dire que, regardez, hop, si je pointe comme ça du doigt, je le domine, c'est étonnant. Et puis je remarque l'étagère qui est quand même bien rangée. Moi j'aime bien le rangement. Et puis et là-bas, tout là-bas derrière, le petit instrument de musique, moi aussi j'aime bien la musique. Le t-shirt au mur, je ne sais pas, c'est vrai que moi c'est tout petit aussi chez moi. Je peux pas trop faire sécher ma lessive, mais je sais pas si ça sèche bien du dos ou alors il faut le retourner. Enfin, ce n'est pas grave, car tout de suite nous allons retrouver Oscillation. Et heureusement, aujourd'hui, c'est F0, parce que sinon, à mon avis, avec la télé en l'air comme ça, il ne doit pas pouvoir rester assis, donc il est obligé de se coucher. Et donc, si c'était un jeu avec une musique un petit peu très jolie, mais un petit peu je pense qu'il doit s'endormir souvent avec la télé allumée. Enfin, c'est pas grave, ça fait quand même de l'audience. En 1990, Nintendo réussit un exploit en sortant son jeu de course F-Zero pour la Super NES. Grâce au Mod 7, un système permettant la modélisation en 3D sans pour autant devoir traiter des polygones, le jeu acquiert un réalisme et une dynamique jamais atteints auparavant. C'est la naissance d'une grande saga. Quand on demande à un joueur ce qu'il a particulièrement marqué dans F-Zero, vous pouvez être certain qu'à côté des dessins des vaisseaux et des circuits, il mentionnera la musique. En effet, si le jeu a reçu beaucoup de louanges pour ses graphismes et ses innovations technologiques, il a également été très salué pour la qualité de sa bande son. Essayons de trouver ce qui rend la musique de F-Zero aussi exceptionnelle. La musique que vous entendez en ce moment accompagne Mute City, le premier circuit du jeu. Une basse pressante accompagne ici une mélodie tragique aux allures militaires. On entend également une percussion régulière qui nous fait peut-être un peu penser au hard rock. La basse très répétitive et pressante souligne le défilement du paysage pendant la course et lui donne une atmosphère un peu héroïque. On retrouve cette même basse pressante ainsi que la mélodie tragique dans Big Blue, le deuxième circuit du jeu.
morceau prend ici clairement une allure de hard rock, voire de métal, avec une percussion très active et l'instrument mélodique qui imite un solo de guitare électrique. La ligne de la basse et les rythmes percussifs accrochent rapidement, la mélodie nous touche par son côté héroïque et tragique. Maintenant, faisons une petite expérience. Coupons le son. Vous voyez comment d'un coup la pression retombe ? Comment nous avons l'impression que les vaisseaux n'avancent plus à la même vitesse ? Notre vaisseau va à près de 400 km/h, mais si on nous disait qu'il va à 30 km/h, on le croirait presque. En fait, la musique joue un rôle absolument démesuré dans F-Zero, dans un bon sens du terme. C'est précisément elle qui donne au jeu tout son dynamisme, qui nous met la pression et qui nous met dans une ambiance particulière. Voici Deathwind, un circuit particulièrement compliqué à maîtriser à cause des vents de côté qui font dévier le vaisseau dans un sens ou dans l'autre. Nous retrouvons notre basse répétitive et pressante, des bruitages qui imitent le vent violent, une percussion très agitée et une slap bass très rapide. Cela fait presque penser à du punk. La basse rapide et répétitive est remplacée par le rythme agité d'une cymbale dans l'introduction de Silence, une planète où règne le silence absolu. Cette introduction est suivie par une très brève partie à la basse funky et encore une fois une mélodie aux allures tragiques. Mais plutôt que de vous décrire chacun des morceaux, faisons-nous plaisir et écoutons un extrait de musique de chaque circuit du jeu. Vous allez vous rendre compte que l'agitation, soit à la basse, soit dans la percussion, sera récurrente dans chacune des compositions. Sans pour autant devenir uniforme et répétitive, chaque musique donne un caractère unique au circuit, avec à chaque fois une mélodie chantante et héroïque. Dans la musique de fin d'une compétition, on peut entendre ce qui semble être une référence à Vampire Killer, l'un des thèmes emblématiques de la série des Castlevania. Peut-être est-ce un hasard, mais ce qui est certain, c'est qu'on retrouve ici une basse très funky, avec toujours une mélodie héroïque, un aspect souligné par les accords aux sonorités de trompette. Alors, quelle conclusion pouvons-nous tirer désormais ? La première est une conclusion strictement personnelle. Sans jamais avoir joué au jeu, j'ai instantanément adoré la musique. Quand la musique d'un jeu vidéo est suffisamment autonome pour plaire en dehors de son contexte, c'est souvent une preuve implacable de sa qualité. La seconde conclusion est le rôle extrêmement important que joue la bande originale dans ce jeu. Sans elle, F-Zero perdrait une grande partie de son dynamisme. C'est elle qui donne le rythme des courses. Et finalement, une troisième conclusion. Avec les mélodies chantantes, légèrement tragiques et toujours un peu héroïques, nous avons en fait l'impression de nous trouver dans un RPG ou encore dans un animé. Mettez des dialogues de Final Fantasy sur cette musique et ça collera parfaitement. Non seulement nous allons alors associer un circuit à une atmosphère particulière, mais nous allons aussi avoir l'impression d'être les acteurs d'une grande histoire. Et bien que le premier F-Zero n'ait aucune trame historique, en dehors des biographies de ses pilotes,
Sa bande originale donne au jeu une grande sensibilité, comme si au final, c'était nous qui écrivions son histoire. Tu ne peux pas faire ça, Black Belt. C'est impossible. Tu ne peux pas poser ta télécommande sur ton joli petit napperon à motif. Si tu fais ça, en fait, à chaque fois que tu vas soulever ou reposer ta télécommande, tu vas faire des plis. Et les plis, c'est horrible sur une nappe. Je supporte pas. Tout de suite, on regarde le debug mode. Mais c'était très gentil chez toi, Black Belt. Je reviendrai quand tu auras aussi une petite housse en plastique. Moi, je mets un petit sachet, comme ça, le petit sachet de la télécommande. Puis, je garde la télécommande toujours propre, parce que sinon, après, il y a de la crasse de doigts autour des touches. En train de tourner le générique pour mon life à moi qui va être diffusé dans pas longtemps. Du Dr Mouse. Bah, tout se passe bien. On est super à la bourre, mais... Prêt ? Les amis ! Action ! Bon, ça jouerait, j'en aurais une. Ouais. C'est pas de la concurrence, c'est que je sais que les téléspectateurs de No Life ne regardent que No Life. Ils veulent voir Dr House quand même parce que c'est pas si mal que ça. Et pour leur éviter de télécharger illégalement, ils peuvent le regarder sur No Life. Donc, à vous de choisir une fois par mois un programme que vous voulez absolument voir sur No Life, qui sera bien sûr diffusé en même temps et à la même heure que le programme original. Et que disent les ayants droit ? Ils sont tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. On a encore deux scènes de réunion et puis la fin de l'épisode. Jamais ça ne marche. Allez, vas-y. Hop. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Non, j'ai même élargi aux 52 autres états, j'ai rien trouvé. Si c'est pas... c'est moi quand je suis direct ? Ouais, bon, si vous n'avez rien trouvé, c'est que c'est encore en lui. Appelez-moi le docteur Procto. Ok. Appelez-moi le docteur Procto. Ok, donc vas-y, refaites-la. Alors... Vous avez trouvé quelque chose ? Non, j'ai fait tous les États-Unis et même le Mexique et j'ai rien trouvé. Et je crois qu'il y a la première de mon No Life à moi. Non, ils sont aussi très mauvais, mais ça, c'est une autre histoire. Et dites putain la vache pile en même temps. Bon, c'est bon, on arrête les films. Alors pour le mois prochain, il faudrait que maintenant les gens aillent sur le forum et qu'ils votent tous pour... Enfin, d'abord ils donnent leurs idées, après nous font notre sélection et après ils voteront pour ce qu'ils veulent comme c'est mon No Life à moi le mois prochain. Voilà. Salut les petits amis de No Life, je tenais à m'excuser, certains d'entre vous l'ont vu il y a quelques temps, je vous ai joué un tour pendable. J'ai fait croire que j'allais tester Army of Two et en fait je vous ai asséné un cinquième épisode de Pain, mon jeu préféré découvrir sur le PlayStation Store où on met un gars dans un catapulte pour lui faire le plus mal possible. Pain peut-être ? Ça serait jamais que le cinquième épisode ! Comment qu'on vous a roulé les petits amis de No Life ? On n'a jamais eu l'intention de faire Army of Two, on le fera peut-être un jour hein, d'ailleurs. Mais... bon voilà, je m'excuse, je suis désolé, j'ai trahi votre confiance, je sais bien. Mais je ne vous ai pas menti. Regardez bien la bande-annonce qui est passée hein, pour annoncer ce chez Marcus et vous verrez que je n'ai jamais dit que j'allais tester Army of Two. Salut, dans le prochain chez Marcus, je testerai un jeu pour les hommes virils. Comme tu vois, on va s'envoyer en l'air, mais on va tout faire péter. Et ça va faire mal, très mal. Faites-moi confiance. Et oui, voilà, vous avez bien vu, je n'ai absolument à aucun moment annoncé que j'allais tester Army of Two. C'est vous qui vous faites des films. Hein. D'ailleurs, il suffit de changer un tout petit détail dans cette bande-annonce pour qu'on comprenne que c'est bien l'annonce du chez Marcus consacré à Pain. On va s'envoyer en l'air, mais on va tout faire péter. Et ça va faire mal, très mal. Voilà, je tenais vraiment à faire cette petite précision. Vous pouvez toujours m'accorder votre confiance. Vous le savez, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Pour ça, on peut vraiment me faire confiance. Ou pas.
その一言。Et un superbe debug mode. Bonsoir mademoiselle. Nous nous invitons à présent pour ce dernier plateau d'au revoir chez mademoiselle Kawaii Saseko. Enchantée mademoiselle. Et un charmant petit intérieur, un petit peu déstructuré, où l'anarchie des lignes se marie très bien à la déco. Je suis particulièrement content d'être ici ce soir avec vous pour vous envoyer des bisous à tous. Et surtout parce qu'avec mademoiselle Saseko, je partage notamment une passion aussi. J'aime beaucoup le pain de mie. Sur cette petite révélation, je vous envoie tous des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, peut-être chez vous. Non, mais je pense que c'est son pied, quoi. C'est des ongles roses. Je sais pas. On voit pas très bien, l'imprimante, elle est un peu bavée. Tu crois que c'est les pieds de son mec? C'est peut-être le pied de Maracas.